paraissent à la portée des bleus et blancs de Strasbourg. Valence Pitesti, 34e minute, court franc, un maître coup de pied de Kempes. 1-0 pour Valence qui joue ensemble. Et le goleador du mondial n'a pas terminé pour autant. 6 minutes plus tard, c'est lui qui récidive. Décidément, Mario a retrouvé sa forme argentine. 2-0, c'était le score à la mi-temps en faveur de Valence qui joue en maillot rayé. 48e minute de jeu, les Roumains en blanc vont réduire la différence par l'intermédiaire de Thomas. Minute, coup franc de Kempes et l'autre vedette de l'équipe, Rainer Bonhoff, surgit et bat le gardien roumain à bout portant. Trois minutes plus tard, l'Espagnol Sora de la tête porte le score à 4-1 en faveur de Valence. Mais ce n'est pas terminé pour les 75 000 spectateurs, ils auront d'autres buts. Par l'intermédiaire d'ailleurs des Roumains, qui ne s'en voient jamais battus, vont réussir à tromper la défense de Valence par l'intermédiaire de Iovanescu. 4-2, Valence ne s'attient pas là, 85e minute, l'arbitre laisse jouer l'avantage sur une faute passible d'un pénalty et Salsona confirme le succès de Valence, 5-2. Valence est qualifiée.